au football. D'accord, je vais faire de la magie pour agrandir le ballon. Attends un peu, Holly, je l'ai encore dans les mains. Ne t'inquiète pas, Ben, je ferai très attention. Oh, Holly, maintenant je suis grand. Désolée, Ben, c'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord, je vais me faire grande moi aussi. Génial! Maintenant, on est grands tous les deux. Oh, mais c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Holly. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spéciale. Pas de souci, vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Holly. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Holly. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. J'aime bien ton déguisement d'elfe et spécialement les oreilles. Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée? Venez tout le monde, on va jouer à la balle. Cathy, attrape. À toi, Yasmine. À toi, Ben. Je garde la forme. Holly, et toi, tu cours vite? Non, mais je peux voler. Holly, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler. Oh oui, je peux faire de la magie. Oh, de la magie? J'adore les tours de magie. Montre-nous un tour alors. Tu es sûre que tu peux faire des tours de magie, Holly? Bien sûr. Tu es vraiment sûre? Oui. Focus! Focus! Wow! Holly, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales. Oh! Désolée, c'est un tour de magie incroyable! Comment tu fais ça? Est-ce que la balle est truquée? C'est un secret. Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh! Lucie, il faut rentrer! C'est mon père! On doit rentrer maintenant. J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Holly. Salut! 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 Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale? Non, j'aime bien être grand. Je ne veux plus jamais redevenir petit. Moi non plus. Hey, bonjour, Fraise. Oh, une grande personne! Mais reviens ici, Fraise! Ce n'est que nous! Fraise, reviens! Les géants arrivent! Les géants arrivent! Mais qu'est-ce qui se passe, Fraise? Je ne rentre pas! Je viens juste de voir deux énormes grandes personnes qui arrivent vers nous! Les grandes personnes avec leurs grands pieds! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds! Bonjour tout le monde! Ce n'est que nous! Oh, Ben et Holly! Mais que vous êtes grands! Holly nous a rendus grands avec la magie! Et on a décidé de rester grands! Ah oui, c'est parfait! Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît? Quoi? Je vous ai marché dessus! Désolée, monsieur le maire! Il n'y a pas de mal, princesse Holly. Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds! Holly, c'est l'heure de rentrer! Oh,
nounou prune. Au revoir tout le monde. Ben, c'est l'heure de rentrer. Et ça, c'est ma mère. À demain tout le monde. Oui, tes pieds. Oups, c'était pas loin. Désolée. Au revoir. Comment es-tu devenu si grand? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça. Oli ne peut pas te faire redevenir petit. Je ne veux pas qu'elle le fasse. J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie. Oh, eh bien, c'est ta vie après tout. Est-ce que tu veux ton dîner? Oui, s'il te plaît. Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui. Et voilà! Maman, tu n'as rien de plus grand. Mais enfin, de quoi tu parles? Cette tarte est énorme! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant. Eh bien, ton estomac devra se contenter de ça. Je suis habituée à nourrir Ben Elf, pas Ben le géant. Oui, c'est vrai. Coucou, je suis rentrée! Ah! Un géant! Un géant! Dieu du ciel, Oli! Que t'est-il arrivé? Je me suis rendue grande par magie et je veux rester grande pour toujours! Ah! Fais attention où tu mets ces grands pieds! Oli! Tu as presque failli écraser Nounou Prune! Oups! Désolée, Nounou Prune! Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours? Oui! C'est presque l'heure d'aller se coucher. Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit? Je sais, maman! Je vais dormir dehors! D'accord, mais tu auras besoin d'être au chaud. Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie? Oui, s'il te plaît, Nounou Prune. Ouh, magnifique! Je vais dormir ici, sous les étoiles. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. Ah, c'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris! Pour qui est ce sac de couchage énorme? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant! Oh, ils grandissent si vite de nos jours! Ben, attrape ça et tire fort! Waouh! Un sac de couchage extra géant! C'est génial! Merci, tout le monde! De rien, mon petit! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants! Et nous sommes des elfes! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand! Allez, dors bien! Bonne nuit! Bonne nuit! C'est vrai que c'est amusant d'être grand! J'ai hâte qu'on soit demain matin! Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben, où es-tu? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh. Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. C'est vrai que j'aime bien être petit. Oui, moi aussi. Ben, Oli, chouette, c'est Lucie. Vous avez envie de jouer? Bonjour, Lucie. Oh, vous êtes redevenu petit? Oui, c'est vrai. Ben et moi, on a décidé qu'on préférait rester petit en fin de compte. Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit, moi aussi. Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée. Et toi, tu as